Re tout le monde, c'est ça, et donc nous sommes dans notre petit amazing dans Morrowind parce qu'on a besoin de déposer le matos. Parce que je vous rappelle qu'au dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, faites ce que vous voulez, je vais pas vous forcer à aller le voir si vous voulez pas le voir. Écoutez, bon, il y a de la baston, donc vous manquez un peu, bah pas grand chose parce que les bastons ne sont pas épiques dans Morrowind, mais bon, c'est comme tu veux, mon gars. Si tu veux aller le voir, fais comme tu veux. Moi, je suis pas là pour te dicter ta conduite. Le coffre. Alors, on va déposer notre matos parce qu'on en a un peu beaucoup. Par contre, on reprend les champignons parce qu'on va aller à la guilde des mages. Parce qu'on va récupérer des potions, tu vois. Et je sais que si jamais on fait les quêtes de Hajira la Khajiit, eh ben, on va récupérer des potions. Et ça peut être utile pour la rune de Homer qu'on va faire parce qu'on va se faire éclater la tronche. Donc ça peut être très utile, les potions, tu vois. Parce que les potions, dans Morrowind, c'est ta vie, tu vois. T'as plus de potions, tu fais une rune de Homer, t'es quasiment sûr d'y rester. Bon, sauf si t'es niveau 28. Mais quand t'es niveau 28, t'es tellement craqué que tu crains plus personne. Donc voilà, tu vois. C'est compliqué. La vie, elle est pas simple. La vie, elle est pas simple dans les Morrowind. Je déposais les clés des esclaves. Ok, c'est bon. Parce que oui, on est allé libérer des esclaves au... Là, ou à l'épisode d'avant, tu vois. Parce qu'on va pas faire que la quête principale, on va aussi faire... J'appellerais pas ça du farming, mais des petites quêtes de temps à autre, comme ça, pour nous aider dans la quête principale. On appelle ça du farming, c'est ça? Pas totalement, parce que le farming, ce serait exploser des monstres pour monter mon niveau, tu vois, ce que je ne le fais pas. Il y a un certain style. Surtout avec le cristal sur la tête, actuellement. Ok, le katana avec le cristal, ok. Pas de problème. J'adore mes cheveux, même s'ils passent à travers mon épaule hier, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est... Tous les humains font ça, après tout, il y a toujours des cheveux qui passent à travers nos épaulières. C'est logique. Oui, par contre, aller à la guide des mages, c'est quand même vachement mieux. Parce que je m'y perds, moi, à force de parler, je m'y perds. Là. Hello. Oui, je veux entrer. Laisse-moi rentrer. Merci. Bon, je vais voir Hajira, c'est ça? Venez voir Hajira, je ne serai pas surprise. Ok, Hajira, j'arrive. D'abord, je récupère ça, parce qu'il y a des potions ici. Des potions, il me faut plus de potions. Alors, Hajira la Khajiit. J'adore Hajira, c'est ma pote. Elle est trop gentille. Si je fais un meurtre, si je fais un génocide dans la guilde des mages, c'est la seule que je tuerai pas. Tu veux des champignons? Bah ça tombe bien, je les ai tous. Et tu veux quoi ensuite? Hajira, pareil avec Galbédir. Ah oui, faut que je dépose la gemme spirituelle dans son bureau. Ok, on y va, on va pouvoir tout piquer, c'est génial. Du coup, il va falloir encore que je fasse un aller-retour à ma maison. Non, mais sérieusement, faudra que je m'achète le sort rappel et marque, mais bon. Il faisait planter mon jeu, alors je l'ai pas mis. Ok, ça c'est bon. Non, pardon, monsieur le bureau, je récupère vos affaires, j'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce que tu parles à un bureau, Zaza? Bah écoute, je vois pas où le problème, on parle à des bureaux, on parle à des loups, je veux dire, y a rien de pire, quoi. Ok, trop complexe, bon bah, on va lancer la fausse gemme spirituelle, et on se casse. Hop, voilà, c'est bon, c'est la bonne, on se casse. Salut! J'ai fait mon boulot. Salut, Spot. Pardon, Spot. La meuf, pardon, Spot. Ok, on a l'herbe de crèche, on a le riz de sel, on a tout. Oh, ouais, on a carrément tout, même. On a plus que tout. On a tout le nécessaire, tu vois. Enfin, l'alchimie, sauf qu'actuellement, on ne veut pas faire de l'alchimie, donc ça ne nous sert à rien. C'est pas grave. Hello, Hajira. Oui, je te donne la gemme. Enfin, non, j'ai placé la gemme, oui. Les fleurs, bien sûr. Bien sûr, on a... Oui, bah oui, des fleurs. Ok, je les ai pas toutes. Parfait, Hajira. C'est pas grave. De lanterne de roche. Mais où ils sont allés chercher les noms de ces plantes? Est-ce qu'il y aurait des botanistes parmi mes abonnés, s'il vous plaît? Parce que moi, je ne m'y connais pas trop en plantes, en fait. Je suis restée à la minute tu mouches, toi. Le petit coffre, ok. On va aller voir. Bah, on va aller voir notre maison. Cette phrase n'avait aucune logique. On va aller à notre maison, plutôt. On va déposer notre matos parce que on est un peu. On s'en fiche. On a beaucoup de matos sur nous, c'est tout. Alors, le premier coffre qui est là, c'est bon, on n'a plus rien à poser dans le genre armure, armes, tout ça. Donc on va déposer tous nos ingrédients qui prennent de la place dans l'inventaire. Et c'est pas bien de prendre de la place dans l'inventaire, voilà. Lanterne noire, tu t'en vas, la chair de crabe, hop, la cire de drug. Les drugs que j'espère qu'on ne croisera pas avant un certain niveau. Voilà, parce que ça va être gênant. Bref, tous les ingrédients qui nous permettent de faire des potions absolument sublimes et qui ne servent à rien durant le jeu, si ce n'est les revendre. Et je réfléchis, mais je sais pas si avec le patch, parce que moi je me suis j'ai miné patch et tout, hein, attention, hein, c'est Morrowind version 99.0, tu vois. Et mon humour est nul, j'aurais mieux fait de mourir. Et
Donc avec les patchs, je ne sais pas s'il y a le fameux bug du... alors tu fais une potion qui te fortifie l'intelligence, mais fortifiant ton intelligence, ça veut dire donc que ça fortifie ton potentiel de faire des bonnes potions et de les réussir, surtout. Donc plus tu fais de potions qui renforcent ton intelligence tout en ayant pris ces potions, est-ce que... voilà, tu vois le cercle vicieux en fait. C'est à peu près la même astuce que... enfin, peut-être pas la même astuce, parce que ça, même patché, tu peux quand même le faire. C'est alchimie, enchantement, forge dans... Dans Skyrim, je pense que vous savez de quoi je parle, hein. Enfin, j'espère pour vous. Comment avoir 1 million en armure sans tricher, voilà, c'est pas dur. C'est l'astuce alchimie en enchantement forgeage. Tapez ça sur YouTube, vous comprendrez tout. Oui, j'ai mis des nouvelles textures pour les parchemins aussi. Mais tu passes ta vie à mettre des mods, c'est pas possible. Je confirme. L'équipement d'escalade actuellement ne sert à rien, parce que je pense que le mod est en bêta, donc ça ne me permet pas d'escalader. Ce qui est dommage, parce que dans Daggerfall, apparemment, on pouvait escalader. Mais étant donné que mon PC est trop récent, je ne peux pas installer Daggerfall à moins de mettre une machine virtuelle, sauf que je ne sais pas installer une machine virtuelle. Donc je me débrouillerai hein, pour jouer à Daggerfall aussi, parce que j'ai envie de vous faire un let's play. Surtout que WiiWiiLand, hein, merci WiiWiiLand, s'il y a des gens de WiiWiiLand qui me regardent, sachez que je vous admire beaucoup. Hein. Merci WiiWiiLand de nous avoir fait, c'est le... enfin, je sais pas si on peut... si le patch en français. Donc ils ont tout traduit. Donc c'est des malades, donc je vous respecte dans Daggerfall. Parce que dans mon win, il y avait déjà la VF, donc c'est bon. Même si bon, la VOSTFR c'est quand même la mieux, tu vois. Enfin ça dépend. Ça dépend, parce que bon, il y a des VO qui sont très space. Et oui, j'ai même mis des remplacements de texture pour les arbres. Je fais trop de remplacements de texture. C'est incroyable. Et je garde les mêmes FPS quasiment, ça qui est génial. Hop, tu cours plus vite, ma petite Zassa. Allez. On n'a pas que ça à faire. On a une ruine d'Ouamer à explorer, nous. Allez. Spot, ok, il nous suit, c'est bon. Eh ben, ça va, on avance assez vite. Normal, t'as mis des chaussures qui améliorent ta vitesse, espèce de grosse tigeuse. Ah, ça va, c'est juste des chaussures. C'est pas comme si je m'étais mis des bottes qui rajoutent plus 1000 et puis plus 1000 en vitesse. Non, les chaussures de rapidité, là, actuellement, elles me rajoutent beaucoup en rapidité pour que je sois tranquille, parce que sinon, ça va être infernal pour les trajets. Mais elles me rajouteraient en défense, parce que c'est des chaussures et non pas des bottes. Voilà la logique de Morrowind. Molagmar. Est-ce que le prince des draps prédominant là-bas, c'est... Alors, attends. Évidemment, il fallait que je le fasse. Voilà. Asphar, Antabolis, l'héroïne d'Oemer Darkdund, le cube... Ok. Le mec, il s'appelle quand même Antabolis, quoi. Ils se sont dit, on va faire des trucs un peu, genre, tu vois, impériaux Rome, tu vois, parce que l'Empire romain, tu vois, donc on va leur donner des noms totalement random, tant que ça se finit en Is ou en Us, ça marchera. Et le pire, c'est que ça marche. C'est le pire. Hello, je te connais, toi, t'es vraiment pas gentil. Lui, il est vraiment pas cool. C'est le pire mec que je vais croiser, en fait. C'est le mec le plus dangereux. Voilà, hop, pour l'instant, ça va, on se débrouille. Wow. Ah non, ça va, en fait. Ça va, il est pas si dur. Je pensais plus. Wow, ok, j'ai rien dit. Il est carrément chaud. La potion de santé, allez hop. Je sais pas s'il invoquait pas un squelette, ce qui expliquerait pourquoi je me fais défoncer en fait. Ouah, comment c'est pas passé loin. Je vais peut-être prendre mon épée magique et je vais lui fracasser la tête avec. L'épée magique au niveau 1, y a aucune logique. Mais bon, la logique, hein, on s'en fiche dans Morrowind. Hein. C'est Morrowind. Hop, le petit coup de Daikatana. Mais franchement, ça lui fait rien. On va y aller à l'épée magique, là, c'est plus possible. Hop, là, il y a une différence, quand même. Hein, tu la sens, la différence, le petit sort de foudre dans la tête, tout ça, non? Oh, non, il s'en fout. Okay. La potion de santé. La petite potion. Voilà. Hop, je te défonce, voilà. Il est mort, ok. Granus neigeux. Ok. Ils se sont dit, on va faire un jeu de mots sur le fait qu'il est nordique et qu'il n'y ait pas de... Enfin, si, il y a de la neige en Morrowind, mais ça dépend. Enfin, il y en a sur Solstheim. Donc, ouais, on va faire un petit jeu de mots, tu vois, parce que bon, on n'a pas trop de nordiques hein, en Morrowind. On en a beaucoup. On en a un qui a la tête de la guide des guerriers. Enfin, une, je crois. Je suis pas sûr. La manivelle, hop. Elle va me permettre de franchir. Hop, on rush. Et on entre. Oh, c'est trop chelou. Ces ruines d'Ouamer, elles sont vraiment cheloues dans Morrowind. Dans Skyrim, déjà, elles inspiraient carrément pas confiance, mais dans Morrowind, vous imaginez même pas, quoi. C'est des labyrinthes, les trucs. Ok. Oh, y a un mec pas gentil en bas. Oh, mais allez, mais je fais deux pas, le mec qui me remarque, il fait « Salut, tu vas décéder. » Et moi, non. C'est toi qui vas mourir. Je sais même pas c'est quoi. Salut,
Oh, la patate qu'elle t'a mise, pote, comme j'aurais pas aimé. Hop, tu décèdes. Tu décèdes. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est bien, tu meurs. C'est bien. Je récupère ta ceinture parce que j'aime bien les ceintures, tu vois. J'ai un gros problème, ouais. J'ai un gros problème. Je suis pas dangereuse, hein. Non, mais je suis bizarre, c'est tout. Tout le monde est bizarre. Sinon, le monde sera ennuyeux. Vous pouvez pas vous reposer ici, il y a des ennemis à proximité. Bah, vas-y, montre-moi les. Salut, je peux te parler. Ok. 2 secondes de réflexion, mais ok. Hop, voilà. 2 secondes pour se rendre compte que j'étais une ennemie. Enfin, une héroïne, plutôt. Je m'en fous. Voilà, je suis la gentille, voilà. Bah, je suis la méchante, mais je suis la gentille, tu vois. Tu vois la logique, quoi. Je suis l'héroïne. Donc, on s'en fiche. Bon, on approche de la fin de la vidéo. Moi, je vous dis, sayonara.